Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, Méribel, la Tougnat 2005. Je vais descendre par les crêtes. Et aller à Saint-Martin-de-Belleville. Ici, je suis sur la piste cyclable. Qui est assez raide, cette partie est assez raide. C'est la portion la plus raide des trois vallées. Voilà, on voit le vélo. Et la portion la plus réelle, plus raide, 20-22 degrés, c'est ici. Tout le reste, c'est cool, cool. Allez, on va prendre la piste Jérusalem. Arrivée du télésiège Chercherie. Et voilà, bifurcation pour Saint-Martin-de-Belleville. Saint-Martin-de-Belleville, c'est la plus grande commune de France. Devant nous, le Verdet, appelé Roc de Fer. C'est la piste olympique où il va y avoir les compétitions en février. Voilà le Verdet. Grand Mielaire, donc la station de Valmorel derrière. Le Cheval Noir, qui est à près de 3000. Oula, faut pas aller trop vite, hein. Il y a beaucoup de cailloux. C'est vrai qu'on arrive à Saint-Martin, ce sera à l'altitude de 1500. Wow.
Caron, la pointe de la Masse, la Gratte. Derrière, ça doit être le grand perron des Informes. De la fenêtre avec devant les rochers la Via Ferrata du Cochet. Via Ferrata très facile, même un peu monotone. Le crève-tête en plein devant, bien pointu. Ah, ce secteur, c'est que de la neige à canon, tout le long.
Voilà la Via Ferrata du Cochet. Et le village de Saint-Martin. La neige est granuleuse, bouletteuse même.